Depuis le 28 juin 2023, Madonna doit veiller à son état de santé. Victime d'une infection, comme l'a rendu officiel son directeur artistique, elle a dû se reposer pour se remettre pleinement avant d'envisager reprendre sa tournée de concerts suspendue. Le 10 juillet, la chanteuse reprit la parole pour donner de ses nouvelles, sur Instagram. Grosse frayeur pour l'entourage de Madonna. Mercredi 28 juin 2023, le directeur artistique de la chanteuse, Guy Oseari, a rendu publique une annonce inquiétante. Madonna avait été placée en soins intensifs après avoir été victime d'un malaise à son domicile. Sur son compte Instagram, le collaborateur de la chanteuse de 64 ans déplorait, ce samedi 24 juin, Madonna a développé une grave infection bactérienne qui l'a contrainte à effectuer un séjour de plusieurs jours en soins intensifs. À ce stade, nous devons suspendre tous les engagements, y compris la tournée. Nous partagerons plus de détails avec vous dès que nous les aurons, notamment les nouvelles dates de la tournée et les spectacles reprogrammés. Dès le lendemain de l'annonce, une source proche de la chanteuse révélait qu'elle était rentrée chez elle et que son état n'était plus préoccupant, elle est hors de danger. Le 15 juillet prochain, Madonna avait prévu d'entamer à Vancouver une tournée mondiale en l'honneur de ses 40 ans de carrière. Intitulée Célébration Tour, cette tournée devait s'étaler sur 84 dates à travers le monde. Sur la voie de la guérison lundi 10 juillet 2023, Madonna a pris la parole pour la première fois depuis cet incident. Si la chanteuse dit aller mieux, elle ne cache pas devoir encore se reposer, et confirme devoir reporter une partie de sa tournée, « Je dois me concentrer sur ma santé et reprendre des forces. Je vous l'assure, je serai de retour dès que je le peux. Mon plan actuel est de reporter les dates prévues en Amérique du Nord et de commencer la tournée en Europe en octobre. Par ailleurs, la chanteuse a tenu à remercier son public pour sa fidélité, merci pour votre énergie positive. Vos prières et vos mots de rétablissement. J'ai ressenti votre amour. Je suis sur la voie du rétablissement et incroyablement chanceuse d'avoir vos bénédictions dans ma vie. Ma première pensée quand je me suis réveillée à l'hôpital a été pour mes enfants. Enfin, la chanteuse à la renommée mondiale s'est adressée directement à ses fans. Ma seconde pensée a été que je ne voulais pas décevoir ceux qui avaient acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus laisser tomber les personnes qui ont travaillé sans relâche avec moi pour créer mon show, ces derniers mois. Je déteste décevoir les gens. Un message des plus rassurants qu'elle a accompagné d'une photo d'elle.